Quelles sont les solutions, m'a-t-on demandé dans un commentaire avant que Aldostérone ne sorte une vidéo avec ce titre-là. Mais nous n'avons pas les mêmes réponses. Pour ma part, j'ai déjà répondu à cette question, j'ai déjà évoqué les problèmes, les phénomènes. Et contrairement à Aldostérone qui lui reste sur l'aspect politique, je le comprends dans un sens, bien sûr, mais moi je reste convaincu que la réponse est d'ordre individuel. Je reste convaincu que si tout un chacun n'a pas fait le schéma de pensée correct, il ne pourra pas s'en sortir en fait. Il faut tout d'abord se réapproprier son soi. Je sais, ça a l'air un peu compliqué ce que je dis, mais c'est logique. C'est juste que j'essaie de trouver les bons mots. Si vous n'êtes pas vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas français en France, vous n'êtes pas belge en Belgique, vous n'êtes pas allemand en Allemagne, ça c'est la première des choses. Connaître un petit peu son histoire, se réapproprier le fait d'être un homme ou une femme, toutes ces débilités qu'on voit aujourd'hui, les LGBT, toutes ces conneries-là. Moi j'ai connu des homosexuels, hommes ou femmes, ils faisaient chier personne. Ils étaient bien dans leur peau, ils s'assumaient, on les respectait, ils étaient respectables et on n'en parlait plus. Bon, peu importe que vous soyez hétéro, homosexuel ou quoi, reprenez, ressaisissez-vous de vos valeurs, des valeurs morales, des valeurs indispensables. À partir de là, vous allez rayonner autour de vous. Vous allez rayonner, les gens vont se rendre compte que vous êtes une bonne personne et ils vont vous copier. Parce que c'est trop facile de dire « Oh, bah, de toute façon, à quoi ça sert dans le monde de merde qu'on est ?» Ah ben oui, bien sûr, c'est facile de dire ça. « Oh, bah, je vais voler puisque tout le monde le fait. » Ben, je vais mentir puisque tout le monde le fait. Ben oui, ben, c'est pour ça qu'on est dans ce système. Il y a un moment donné, il faut désobéir. Il faut désobéir et se dire, c'est pas parce que tout le monde le fait que je vais le faire. Et tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, quelles sont les solutions? Eh ben, si tout un chacun continue d'alimenter BFM TV, continue d'alimenter TF1, si tout un chacun continue de colporter les bêtises qu'on entend, les fake news, la propagande, si chacun continue de colporter tout ça, on va pas s'en sortir, c'est une évidence. Et Idriss Aberkane vient de traiter le sujet hier, me semble-t-il, avec En cuisine russe, je crois que c'est le titre de sa vidéo. Il est vraiment, comme Aldostérone, ce sont des bijoux ces gens-là, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Mais il expliquait En cuisine russe, et il expliquait qu'il faut commémorer les mensonges des élites, les mensonges de la propagande, il faut y commémorer, il a absolument raison. Donc à partir de là, vous êtes responsable. Je sais, ça fait pas plaisir, on est dans un monde qui nous a dit le contraire depuis 40 ans, on nous a dit qu'on était, on est irresponsable tout simplement. On est irresponsable, on doit laisser toute décision à l'État, on doit laisser... quelles sont les solutions? Arrêtez ce système-là. Tout à chacun doit se réapproprier ses informations, se réapproprier son existence, sa vie, son couple, ses enfants, l'éducation de ses enfants. Eh oui, c'est tout un boulot. Mais il y a un moment donné, on ne renverse pas la table en soufflant dessus. C'est beau ce que je viens de dire. Ah, punaise. C'est terrible. C'est pourtant si simple. On débranche TF1. Première des choses. Et je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu mes vidéos, qui ne sont pas au courant, le générique de TF1, on a utilisé la musique des Dents de la Mer pour créer le générique de TF1. Merde! L'objectif, c'était de créer de la peur, de l'angoisse. Le générique de TF1 est parti là-dessus. Les Dents de la Mer, rien que ça. Alors, je sais, on ne réagit pas tous aux mêmes choses. Il y a des gens qui vont dire « Oui, bon, ok, d'accord. » Et des gens comme moi qui vont être profondément choqués, qui vont être profondément perturbés parce que ça va tellement loin. J'ai beaucoup de mal à accepter qu'on traite l'être humain comme ça, qu'on se moque du monde à ce point-là et que des armées de moutons se jettent devant les écrans comme ça, terrorisés, à attendre quelle va être la dernière saloperie qu'on va leur infliger, quoi.
Ouais. Quelles sont les solutions? Stop. Je débranche. Il y a d'autres, il y a des médias alternatifs. Recherchez. Ça, c'est la première des choses. L'éducation des enfants, si vous en avez. Je me réapproprie. Un garçon, c'est un garçon. Une fille, c'est une fille. Ils sont homosexuels, ça change rien. Ça change rien. Je me sens fille, je me sens garçon. Et alors? Ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la nuit des temps, ça. Faut arrêter. J'avais des potes gays, homosexuels, bien sûr, oui, des hommes. Ils avaient. C'est vrai ce que je dis. Ils avaient la photo de la fille de ma copine de l'époque dans leur portefeuille. Ils bossaient sur des chantiers, ces gens-là. Ils étaient carreleurs et. Carreleurs, c'est sûr. L'autre, je ne me rappelle plus. Mais bon, je ne me rappelle plus, ça ne me revient pas. Et il expliquait sur les chantiers quand on lui demandait, ah, tiens, voilà la photo de ma fille, je suis divorcé, j'ai plus de femme, c'est la merde, machin, alors qu'il était avec un mec. Ces gens-là, je les ai jamais entendus pleurnicher comme quoi, ouais, mon Dieu, l'homosexualité. Quand le mariage pour tous est arrivé, ils étaient outrés. Ils étaient outrés. Ils m'ont dit, deux bonhommes en face de moi, des gars du bâtiment, ils m'ont dit, mais on n'a rien demandé, nous. Mais on veut pas se marier, pourquoi faire? On est deux hommes, on n'a pas à se marier. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, ça ne me change rien dans mon existence que deux femmes ou deux hommes se marient. Ça ne me change rien. Ce qui me change, ce qui me dérange, ce qui me pose problème, c'est qu'on dise que c'est une norme et que les gens doivent tous faire pareil. Ça ne va pas. T'as un enfant homosexuel, ça existe depuis toujours. Ça ne va pas changer le monde. Ça fait partie des choses qu'il faut absolument comprendre et ne plus rentrer dans ce jeu. Voilà quelles sont les solutions. Voilà quelles sont les solutions. C'est de se dire, putain, mais le barbare philosophe, il a raison, en fait. Ces choses, elles existaient avant. Pourquoi on en fait tout un plat? Tous ceux qui en parlent à partir de maintenant, de cette manière-là, qui exagèrent et tout, je veux plus les entendre. Voilà une solution. J'entends parler de la guerre en Ukraine, machin et tout. Hop, 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 je débranche. Fais voir les médias, les chaînes YouTube qui en parlent, les gens sérieux. Sérieux s'il y a, parce qu'il y a tellement de propagande dans un sens ou dans l'autre, mais peu importe. Je préfère écouter à ce niveau-là que Idrissa Berkane, quitte à ne pas avoir les bonnes infos ou ne pas avoir toutes les infos, que TF1 ou BFM. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Les médias, c'est fini. C'est fini. Il y a longtemps que j'écoute plus les informations. On se réapproprie son existence. L'éducation de ses enfants. On prend soin de soi, de sa femme, de son mari. On prend soin on cherche à être une bonne personne. On s'informe du mieux possible. Et on refuse, on désobéit à ce système de merde. Voilà quelles sont les solutions. Vous allez rayonner autour de vous, les gens vont se dire, putain, mais il va mieux, y a plus cette merde qui trotte dans sa tête. Alors bien sûr, ils vont pas le comprendre de cette manière-là. Ils vont juste voir quelqu'un qui va mieux, hein, bien sûr. Faut pas être fou non plus, hein. Et à partir de là, bah, ma foi. Ça va s'élargir. Et plus il y aura de gens qui vont s'éveiller, et moins il y aura de gens qui vont voter pour Dieu le Père. Et ça s'arrête là. Les dernières élections ont été très claires. Les gens n'ont même pas osé, ou n'ont même pas pensé, j'en sais rien, tellement ils sont formatés par les médias, et ils n'ont même pas pensé à essayer de voter autre chose. Ils n'ont même pas essayé. Le Front National n'a jamais eu d'impact sur la France. Il n'a jamais pris de décision qui soit décisive, qui change quelque chose. Éric Zemmour non plus. Ces gens-là n'ont rien changé en France. Et on a peur d'eux comme si c'était la peste ou la gale ou que sais-je. J'aurais voté pour le pire des partis pour ne pas avoir Dieu le Père. Donc ça, c'est la première chose. Arrêtez d'avoir peur. TF1, ton 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 ton. On débranche. Les prochaines élections, on change. J'attends pas que le monde change avec les élections, hein. Honnêtement, je suis pas complètement débile. Mais si déjà les gens si déjà les gens élisent quelqu'un d'autre, qui soit pas de ce milieu-là, qui soit pas de. Voilà, quelque chose de neuf, qu'on n'a pas eu en fait. Quelque chose qu'on n'a pas eu. Tout simplement. Eh bien, c'est qu'il y aura déjà un changement en France.
Mais si on continue comme ça, ben, il n'y aura pas de changement. Donc, quelles sont les solutions? Oui, aller voter, oui, faire ci, faire ça, prendre conscience. Ouais, okay. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Ça s'arrête là.